Bonjour à tous et à toutes, c'est NicoBel87 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PlayStation 4. On se retrouve sur Oddworld New and Tasty. Attendez, je mets mon petit réveil devant moi, voilà. Donc, pourquoi une vidéo sur Oddworld New and Tasty? Ce n'est pas un test, ce n'est pas la découverte vu que je l'ai déjà fait et que je l'avais déjà fait quand j'étais petit en 97 lorsqu'il est sorti, hein, même si j'avais qu'un certain âge, voilà. Donc, pourquoi on se retrouve sur Oddworld? On va jouer aujourd'hui à l'extension gratuite pour les personnes l'ayant acheté avant le 3 août 2014. C'est Half Escape. C'est super dur. Enfin, c'est dur. La première fois qu'on le fait, c'est dur. Après, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va lancer ça. On peut aller dans les extras aussi. Je peux vous montrer vite fait. Voilà, donc c'est l'évasion d'Alf. Voilà, Alf, on doit sauver Alf, la peluche là qui parle et qui mange des chats. Non, je déconne, c'est absolument pas lui. Voilà, donc on va y accéder juste après. Alors, ça m'a pas enregistré mon temps parce que le jour où j'y jouais, il n'y avait pas le PSN. Voilà, c'est le jour où y a une attaque DDoS sur les serveurs de Sony qui sont tous tombés en rade. Voilà, mais normalement, je l'ai fait et je dois avoir un score de 2 heures à peu près ou un truc du style. Il est très très dur. Alors aujourd'hui, on va se le faire ensemble, pas totalement, mais je vais essayer de faire du mieux possible. Voilà, donc on va le lancer. Confirmes-tu ton dernier point de contrôle sera écrasé? Oui, bien sûr. Donc c'est parti. L'évasion d'Alf, on va sauver en fait un gars, je sais même pas pourquoi on le sauve, mais c'est comme ça, on doit le sauver. Qui va nous suivre un peu comme un coéquipier. Alors c'est parti. Qui va nous suivre comme un coéquipier, voilà, donc là c'est le tout début. Là où on arrive, et notre but bien sûr, ça va être de ramener Alf juste en dessous parce que on va faire un aller-retour, mais un aller-retour très très compliqué, voilà. Hop, donc on monte, ouais, c'est par la gauche, voilà, c'est très très compliqué, et j'ai appris aussi, parce que moi je suis un grand fan des contrôles de base de Oddworld, c'est que là on se déplace avec le stick, et avec le stick c'est absolument pas pratique pour tout simplement le gameplay, des fois, vous voyez par exemple ici, ils ont rajouté ça, moi j'aime pas du tout ce petit effet de je vais tomber, mais en fait non, je me rattrape, parce que dans le jeu, ça bloque beaucoup de... Ça pourrait nous sauver s'ils ne l'avaient pas mis, voilà. Donc on arrive là. Hop, on arrive là. Je vais le prendre son contrôle, si j'ai bon souvenir, je peux en avoir besoin. Voilà, donc hop, on le prend, hop, on déclenche ça. Ouais, ouais, c'est bien ça, je crois que je peux avoir le... pour en avoir besoin. En fait, absolument pas. Bon, on se casse. Voilà, hop, on le tue. Bon, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Hein. C'est à la place d'ouvrir la trappe. Tant qu'il aille sur la trappe et tout, c'est un peu long. Voilà. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits clins d'œil au deuxième épisode qui est sorti en 98. Oddworld, l'Exode d'Abe. Bah, c'est bien ça, parce que le premier c'est l'Odyssée. Bref, à chaque fois je me confonds les deux, ça commence à m'énerver. Où vous pouvez voir des bières Soulstorm, non c'est quoi, c'est Souls Bidule, je sais plus ce que c'est que le nom de la bière exactement. Qui sont faits à base d'eau, d'os, pardon, et pas de nonos, pas d'eau plutôt. Voilà, à base de nonos. Hop. Yes. Alors, un petit quick save, si j'ai bon souvenir, si je tire la manivelle, ça fait quelque chose. Mais quoi? D'accord, ça fait tomber ça, voilà. Hop. Alors, j'ai un peu souvenir de ce qu'il faut faire. Hein. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Là, on part. Yes, voilà. Maintenant, on va prendre son contrôle. Non, on peut pas, voilà. On se fait électrocuter, sinon, c'est vrai. Ah, il s'est arrêté juste avant. Petit enfoiré. Yes. Donc, un petit quick save. Alors qu'est-ce que le quick save? C'est une sauvegarde rapide. Hein. Moi j'utilise le nom qu'il lui avait donné en 97. Donc voilà. Et ici on arrive déjà aux premières portes. Et vous allez voir que ces portes sont super mais super galères. Là déjà je suis allé bien plus vite que la première fois. Et le but de ces portes ça va être de sauver, d'accéder à certains endroits et d'avoir accès à d'autres endroits. Bref. Donc on commence. On prend une petite bombe. Si j'ai bon souvenir, faut la balancer là-bas. Bien. Bon, voilà. J'ai voulu peut-être aller un poil trop vite vu que je suis assez nul. Mais je sais absolument qu'il me faut obligatoirement une petite bombe. Ça, je le sais.
On va essayer de l'avoir du premier coup. Yes. Voilà. Maintenant, on peut grimper. On va faire un quick save. Hein. Je suis très très prudent avec les quick saves. Parce que j'en ai marre de recommencer une partie 15 fois d'affilée. Hop là. Alors là, c'est pareil. On peut faire ça. Ah. Trop bas. Donc, on réactive. Hop. Peut-être trop haut. Ah, trop. Voilà. Vous voyez, là pour le moment c'est que de l'habilité, mais au bout d'un moment il y aura du passage de rapidité et de précision. Et c'est franchement pas du tout cool. Ah mais merde! Bon, j'ai beaucoup de mal, hein. Pas vous mentir. Hop. Normalement je m'étais pas du tout ici pour faire ça, mais c'est pas grave. Là. Ah non, elle est pas passée. Voilà, là ça devrait passer si je la tire là-bas. Oh! Bon, je sais pas ce que ça a tapé en haut. Ça a tapé quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais ça l'a tapé. Hop, donc on va faire la petite sauvegarde rapide. On la charge vite fait. Hop là. Bien sûr, c'était ici. Pourquoi c'était ici? Je ne sais pas. Ah oui, c'était avant le saut, voilà. Qu'on repasse ici. On appuie sur le petit bouton. Non. Hop. Problème du stick. Hein. Voilà. On va la tirer. Je suis mort encore une fois. Ah, vous voyez, c'est... normalement, je le fais pas comme ça, mais j'essaye de passer différemment. Pour aller un poil plus vite. Hop, déjà là, je suis mort de combien de fois? 3 fois sur un lancer de grenade. Ah là là, que je suis nul. Non, sans vous mentir, là, c'est vraiment que j'ai pas de chance. Hop. Voilà. Non, là, ça veut pas passer non plus. Alors, je sais pas du tout pourquoi ça veut pas passer. J'en ai un peu marre. Aïe, je me suis pris l'onde de choc, mais c'est pas grave. Alors, pour sans vous mentir, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, ça passait très très bien. Peut-être parce que j'ai envie d'aller vite, hein. Allez savoir. Hop. Non, trop bas. J'en ai plus. Ah, ça aurait pu passer. On va rester ici pendant une demi-heure. Hop. Alors, cette fois, l'épisode sera tourné d'un coup entier. Yes! Sera tourné d'un coup. Je ne vais pas faire de coupure parce que j'ai remarqué que c'était un peu trop chiant pour tout refaire. Hop, on prend ça. On prend ça. Normalement, je dois pouvoir sauter et courir. Hop, yes. Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est lequel lui? C'est lui. Ok, et lui, c'est lui. Ok. Yes, c'est passé. Ça, c'est de la précision. Si j'ai bon souvenir, je yonne l'autre qui est juste en dessous. Au-dessus, pardon. Oui, j'inverse tout aujourd'hui. Hop, je fais augmenter sa taille. Je le tue. Voilà. Maintenant, je fais un petit quick save au cas où. Parce que ça, je sais exactement qu'il faut faire ça. On grimpe ici. On prend l'autre quick save. Hop. Ah, et on peut pas le faire, ils ont modifié ça, d'accord. Parce que j'ai le souvenir qu'avant, j'avais yonné un des deux, et apparemment, il y a... J'espère qu'ils l'ont pas rajouté par une mise à jour. Apparemment, si, ils l'ont rajouté par une mise à jour, c'est pas cool. Par si... D'ici, on peut lui... Non. Alors, ils ont rajouté par mise à jour un truc à la con, là-haut. Peut-être que si je retire ça, que je le détruis, peut-être comme ça que j'avais fait la première fois. Voilà. Non. Je l'avais pas fait comme ça, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Pouf! Voilà, il n'y a plus personne, ils sont tous morts. Hop là. Maintenant, on vient ici. On yonne les trois qui sont là, qui se tapent dessus comme c'est pas permis. Voilà, on tue les deux, on tue le dernier. Hop là. Et on a fait la première salle avec 3 morts à la clé. Ce qu'on appelle être un génie. Voilà, bon, hop. Voilà, hop là. Et voilà, on est sorti, mais comme c'était facile. Non, sans déconner, c'est vraiment que je suis une grosse daube sur le lancer de grenade. Hop. Enfin, grenade, mine, ouais, c'est plus des grenades. Les slugs affamés modernes mordent même la main de qui les nourrit. Ah, j'aime bien. Eux, je les adore, ces petits clébards, parce qu'ils sont juste génialement bien designés. Voilà, on active ça, et maintenant faut courir.
Ouf, 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 voilà. On active ça pour que l'autre il vienne. Hop. Yes. Voilà, maintenant il est venu. On prend le contrôle. On lui dit un petit toutou de venir. Il y en a un qui est pas. Non, ça va. Je croyais qu'il était parti se griller. On fait un quick save. On lui dit d'attaquer celui qui est là. Yes. Ça l'a pris. Miam, 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 miam. Voilà. Maintenant, on le fait revenir. Et moi, vu que je suis un enfoiré et qu'il n'arrête pas de se mettre dans mes pattes, voilà. On le tue. Et on va tuer les deux autres. Bon, il y en a un qui a fini éclaté. Alors, pourquoi je les tue? Tout simplement parce qu'ils vont être très très gênants pour la suite. Et c'est pour ça que je les tue. Tout simplement, hein, c'est... Il n'y a aucun... Aucune méchanceté là-dedans. Hop, je fais un petit quick save. Est-ce que moi, je charge toujours par quick save? Hop là, là, on court, on court, on court, on court, on court. Normalement, on peut passer. On peut passer, on active. Et maintenant, eux, ils vont tous griller ici. Voilà. Tels des grenouilles. Pourquoi des grenouilles? Parce que ça ressemblait à des grenouilles lorsqu'ils se sont fait cramer. Hop. Voilà, on crame ça, on crame ça, on crame ça. Et là, on court, on saute. Yes. Et là, ils meurent tous comme des merdes parce que ce sont des chiens. Voilà. Et vu que dans le monde d'Oddworld, ils sont tous un peu débiles, bah ils te suivent comme c'est pas permis. Non, 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 ça c'est vraiment ironique. Hop. Save. On descend là. Hop. Et normalement, tout est tranquille, on peut y aller sans problème à partir de maintenant. Non, c'est faux. Ça a réactivé les... L'électricité. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop là. On réactive ça. Maintenant, il n'y a plus aucun chien, donc on peut passer tranquillement. Ils se sont tous auto-tués. Et le vide-dépôt, il n'est pas ouvert. J'ai dû faire une erreur de... J'ai fait une erreur quelque part. Donc là, ils sont encore fermés. Je pense que c'est en activant le levier d'en haut. En espérant que c'est pas fait bugger un truc du jeu. Hop. Les vides-dépôts sont toujours fermés. Pourquoi? Ils sont toujours fermés, c'est bizarre ça. Ils devraient être ouverts, normalement. Tac, 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 tac. Ne me dites pas que j'ai oublié de faire quelque chose. Normalement, ils devraient être ouverts. Hein. Sinon, c'est que ça. Il y a eu un petit bug dans le script. Ouais, normalement, ça devrait être ouvert. Pourquoi ça ne l'est pas? Découvrons des bugs ensemble. Bienvenue au pays des bugs. Tadadadada. Bon. Non, c'est pas ça. Quoique, c'est peut-être pour plus tard. On va bien voir hein, si la porte s'est rouverte. Ça se trouve, c'est ça. C'est peut-être pour plus tard. Bingo, c'est pour plus tard. Ah là là, mais qu'est-ce que je suis nul. Les vrais amis sont pour la vie, pas juste pour le déjeuner. Protège Alf de tout ton possible. Voilà, là c'est la dernière porte. Et dans cette dernière porte, on va ramener Alf. Et je peux vous dire que pour y accéder, mais c'est d'un galère. Ego, c'est parti. Si j'ai bon souvenir, faut monter en haut. Pouc. Voilà. Exemple typique de ce que Abe ne veut pas faire. Par exemple, là, avec leur animation à la con qu'ils ont mis lorsqu'on est en bord de texture et que... Plutôt en bord de rebord, voilà. Il se met à avoir peur, en fait, de tomber et... Et bien sûr, il veut pas faire le petit saut. Et ça, c'est super chiant. Donc là, on se dépêche. Voilà. Là, c'est pareil. On fait un petit quick save. On se pend. Yes, on est passé à temps. Voilà, tout n'est que... Bon, j'ai plus de bombes. C'est con. Hop là, donc là, on fait ça. On s'approche tout doucement. Vous voyez, là, je suis dans le conduit. On me voit pas vraiment. Là, on voit mes petits yeux jaunes qui approchent. Dès qu'il reviendra, on va faire un petit quick save. On va attendre. Ah, je suis mal parti. Tant pis. On va recharger notre petite sauvegarde rapide. Et à un moment, c'est super galère. Je sais pas si je le passerai pas en accéléré, parce que c'est tellement dur que je suis obligé de prendre le casque pour savoir d'où viennent les ennemis.
Et je pense que je serai obligé de passer ce moment d'accéléré, vous m'entendrez pas. Puisqu'il est vraiment très très dur. Hop là. Donc là, techniquement, j'ai fait une connerie. Voilà. Voilà, j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû avancer un tout petit peu, me lever, marcher derrière lui. Et monter en haut. Monter sur la plateforme pour... Normalement c'est ça ce qu'il faut faire, mais ma save elle est trop en décalé par rapport à son mouvement. Hop, qu'on va charger encore une fois. Voilà ce que c'est Code World, c'est très punitif. En espérant que là il me voit pas, s'il me voit je suis cuit. Non il me voit pas, nickel. Bon même si je suis à 2 cm de lui, mais il me voit pas. Hein. Voilà, là on grimpe. Ensuite, on descend. Et on grimpe. Voilà. Maintenant, je crois que je peux prendre le contrôle de celui qui est là. Voilà. Et de tuer son collègue qui est juste à côté. Non, c'est l'inverse qui s'est produit. Petit enfoiré, va. Et moi, j'ai une petite technique ici. C'est que je vais réussir normalement. Hein, normalement. Si ça prend pas 40 essais. Ah. Voilà. À pas faire ça. C'est en fait, c'est faire tomber le Slig en bas, sur la plateforme d'en dessous avant qu'elle s'ouvre, pour aller sur la gauche pour tuer les autres. Voilà. C'est mon plan initial. Voilà. Ouh, là j'ai eu chaud. Je vais faire un quick save. Alors, quand tu tues lui, on active ça. On passe. On le tue. On active. Normalement, il devrait y avoir un ennemi là-dessus, mais il n'y en a pas. Là, on remonte. Bien sûr, toujours accompagné du Slig. Hop. On tue lui. On redescend le temps que les deux là-haut ils dorment. Hop. Non, bon, bah ils ne se sont pas endormis. On tue. On avance. On tue. On tue. Voilà, ça c'est du Oddworld tout craché. Hop là. On active ça. On l'auto-détruit. Et c'est bon, on a passé le coin tranquillement, sans trop de problèmes. En même temps, je connais un peu, pas par cœur le truc, mais je retiens bien les niveaux. Hop, juste à éviter de griller dans ça, voilà. Hop, dans les barres électriques, là. Dans les petits éclairs. Les Sligs font de mauvais clients, faut découvrir bidule. Voilà, et là on a la dernière porte, où l'on va galérer à sortir notre copain. De laboratoire sont sortis de terribles clameurs. Kerzener en a hibé son intérieur. Voilà. Et là, ça commence à être le... Pas le paradis, mais l'enfer. Voilà. Et vous allez voir que c'est bien mieux gardé que n'importe où dans le... Hop là. C'est une zone qui est mieux gardée que dans Rupture Farm elle-même. C'est-à-dire que Alf a une super... Ah, bien sûr, je suis parti au mauvais moment. Alf a une super... comment dire... Il est super précieux aux yeux des Slig, même s'il n'est que barman. Ah, bon voilà. Par exemple, ça c'est pareil, c'est... Bon, ça y était aussi dans l'épisode... dans le premier épisode, hein, l'original. C'est super galère de passer ces trucs une fois qu'ils sont comme ça. Pac. Ah, souvent ça se joue... Bon, à l'époque ça se joue au pixel près, mais aujourd'hui ça se joue au polygone près. Et on se fait découper très très facilement. Voilà, encore une fois. Et ça, c'est une épreuve où on peut passer 4 minutes, voire 10 minutes d'affilée à mourir, recharger. Ah, voilà. Vous voyez, c'est juste une question de timing. Hop là. Encore un petit quick save ici. Voilà. On fait ça. On saute pas assez loin. Bon, ça aussi, c'est un problème qui peut arriver de temps en temps, c'est de faire des sauts, mais pas assez longs. Ça, c'est juste une petite erreur de ma part sur le stick. Hop. Voilà, donc là, techniquement, je suis remonté trop vite. Ah là là. Et dire qu'après ce chemin, je vais devoir le refaire en sens inverse, pratiquement, pour amener notre copain. Pour vous dire, ça va être franchement galère.
Maintenant je saute. On attend que lui tire comme un demeuré. Normalement au bout d'un moment il va refaire dodo. Hein. Voilà. Ici on peut voir un scrab qui est juste en dessous, qui nous regarde attentivement et qui se dit de la bonne viande d'Abe. Bien sûr je me suis tapé. Quoi ? Voilà. J'y suis allé au mauvais moment et je me suis fait tuer par ce petit coquin. Bah non, ça va, il y a une save juste en haut, c'est pas la peine de recharger l'autre. Voilà. Non. Je crois que je vais devoir attendre un tout petit peu pour le temps que le scrap se déplace un peu. Allez, go, là, ça devrait le faire. Voilà, et là, cette fois, je me suis pas cassé la gueule. Pourquoi il y a des incohérences comme ça, je me suis pas cassé la gueule. Voilà. Et là, on avait un autre petit problème, c'est que j'ai pas activé la première fois, ce qui me fait un peu chier. Parce que... Voilà. Voilà, maintenant on peut continuer, on peut ouvrir celle-là. On peut courir, on peut courir. Ah, on peut se faire tuer. Putain, il m'a fait peur, j'avais complètement oublié qu'il était là, lui. Ah, ce con. Ah, il m'a fait super peur. Voilà, je suis mort, voilà. Si je me casse la gueule en tombant, c'est qu'en fait, c'est que Abe, il se prend la paroi en pleine gueule. Et je peux dire adieu à la réussite de la mission, voilà. Voilà. Comme là. Voilà, on continue d'ouvrir. On fait venir l'autre. Ah, non, je suis là, les gars. Merci. Bon, heureusement qu'ils sont sur des plans différents et que c'est pas aussi méchant que... Que ça ne pourrait être le cas. Voilà, on fait une petite quick save. Voilà, et là, il va pas bouger, petit. Putain, ils sont super chiants. Ouh, je suis là. Voilà, et viens. Maintenant, on part dans l'autre sens. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Là, techniquement, on risque rien. Techniquement, hein. Je suis là. Voilà. Là, il va venir. Faut que j'attende qu'à droite, il se rendorme. Ce qui n'est pas le cas. Et voilà, là on peut rester bloqué pendant pas mal de minutes en attendant que l'autre y revienne. Quoique techniquement, si je prends mon corps comme je le fais, il devrait revenir. Ah bon, ça c'était sur PS1, ça me fonctionnait comme ça. Ouh, oui, ça fonctionne encore. Bon, un petit quick save. Voilà. Le but étant bien sûr de passer... inaperçu. Et je sais plus quel qu'est-ce que ça bloque, ça. Ah non, 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 non. Je suis pas passé. J'ai essayé de faire la fouine, mais non, ce n'est pas passé. Mais je crois que si je le bloque en bas, y a... Non, je pense pas qu'il y ait moyen. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen de faire ça, ça... ça et ça. Voilà. Un petit quick save. On redescend. On court, on court, on court, on court, on court. Là, ça c'est de l'habilité à ne pas tomber comme... comme une pierre sur le sol. Hop. Yes. On est passé. Un autre petit quick save parce que ça c'est super chiant ces trucs là. Voilà. Un autre ici. Voilà, je me suis pas fait découper la première fois que j'ai fait le saut. Sachez que je me suis fait découper. Et là, pourquoi faut que j'ouvre ça déjà? D'accord. Hop. Voilà. Et là, on arrive vraiment aux endroits les plus chiants. Sachez que tout ce que je fais là, je vais devoir le refaire dans le sens inverse. Hein. C'est-à-dire que là, les pyramides, quand ils sont tout seuls, ils sont tout mignons. Mais une fois qu'il y en a plusieurs, ben sachez que c'est un peu la dèche. Le levier, je dois l'activer maintenant ou plus tard? J'ai complètement oublié. Je crois que c'est pour plus tard. Hop là. Pareil ici. Sauter, sauter. Ne pas se faire découper. Plutôt manger là pour le coup. Là, ils sont tout énervés. Regardez, ils font des petits bonds partout. Alors techniquement, ça devrait pas être trop sombre pour vous. J'ai un peu amélioré le rendu. Hop, donc on balance la viande là-bas. Et là-bas, hop.
Yes. Premier coup. Sans vous mentir, la dernière fois, il m'a fallu 3 coups pour le passer, ça. Et plus ça va, plus c'est compliqué, bien sûr. Hop, donc ici, c'est pareil. On balance le steak là-bas. On descend. On active. Active ! Voilà. Ça, c'est un problème aussi qui arrive aussi dans cette nouvelle version. C'est que des fois, il active pas. Et lorsqu'il active pas, bah, il veut pas activer. Voilà, tout simplement. On balance le morceau de viande là-bas. On active, hop. Il descend gentiment. On active ça et on y retourne. Hop là. Normalement, le morceau de viande, je peux le récupérer. Non, je ne peux pas. Un autre quick save, je crois qu'ici, ça va être un peu rapide. Hein. Ça va être un peu galère. Si j'ai bon souvenir, faut faire ça, ça. Pas y aller maintenant, voilà. Parce qu'en fait, il y en a deux qui tombent et faut se dépêcher. Bon, c'est pas pire que dans le 2, je crois, où on a une course-poursuite et tout. Elle est super chiante dans le 2, Oddworld. Dans le deuxième Oddworld. Chaque fois, j'oublie le nom exact. Mais il y a une scène qui est super dure avec des paramètres qui nous pourchassent. Hop. Ah, voilà, j'ai attendu trop longtemps. Bon, ils se sont fait découper, ça, c'est pas un problème, hein. Ça m'arrange même. Mais c'est vrai que là, pour le coup, réussir à passer ça, c'est un peu galère. Hop. Voilà, en fait, j'ai le temps de m'accroupir, de passer. Et ça devrait le faire. Voilà. Normalement, je dis bien normalement. Hop. Ah, je suis pas passé. Ah là là. Vous voyez, ça, c'est super dur parce que déjà, c'est sombre. L'environnement, il est assez sombre. Et en plus, on voit pas véritablement bien. Voilà, là je suis passé tranquillement. On refait un autre quick save au cas où. Hein. Ça c'est mon... Bon, on est passé tranquillement. Et vous voyez, en haut il y avait un gros tuyau et Alf en fait il tombe d'ici et il faut le faire passer d'au-dessus. Après il y a une grosse scie qui le pourchasse. Alors c'est ici. Ici je vais avoir beaucoup de mal. Parce qu'ici tout simplement il y a une... Il y a un truc très compliqué à faire. Qui est d'activer la manivelle et de tuer les ennemis qui viennent de la droite ou de la gauche. Je ferai peut-être une coupure ici pour mettre mon casque, par contre vous aurez pas le son. Pourquoi vous aurez pas le son? Parce que lorsque j'utilise le casque, qui utilise par clé USB en Bluetooth, il n'y a pas le son à l'enregistrement. Donc ça, c'est fort probable que ça arrive. Hop là, donc là on est là, on active ça. Voilà. Voilà, alors là, il y a un jeu qui s'est installé. Je suis très silencieux. Hein. Voilà. Exemple ici, pourquoi je me suis fait tuer? Parce que je n'ai pas entendu d'où il venait. Je sais qu'il venait des deux côtés. Donc, je vais couper l'enregistrement. Faire une petite pause. Je vais... Comment il est le Slig? Bon, je vais couper l'enregistrement et je reviens juste après. Vous m'entendrez pas durant la phase où je passe cet endroit, parce qu'il est vraiment très très compliqué cet endroit. Bon bah, à tout de suite.